Quelques explications. Alors le début c'est pas dans la musique, petite sorte de truc que j'ai joué, c'est pas dans la musique, c'est aussi une gamme. Ensuite ce qui est dans la musique par contre, donc c'est comme si c'était un si mineur mais décalé de deux cases. Et du coup, comment expliquer ça? Donc il y a une gamme qui est ici, la corde de mi, la corde de si, la troisième case, mais en fait cinquième case, avec ce doigt-là, quoi, je veux dire. Ici, ici et ici. Donc là, c'est quelques notes de la gamme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 notes de la gamme, et du coup on revient toujours sur la note la plus aiguë. Donc en fait on commence par la plus aiguë, on alterne, donc là on a fait que descendre dans les graves, et là on remonte encore on redescend. Donc en fait on remonte après sur deux notes et on redescend sur les deux ou trois dernières. Voilà. Ensuite, on fait la même chose, mais la gamme, elle est un peu différente. Au lieu que ça se joue ici, ça va se jouer là. Donc là, on décale comme si on était sur le sol. Alors, du coup, tac, voilà. Au lieu de le jouer là, on va le jouer là. J'ai une bêtise. La note la plus aiguë, c'est la même. Par contre, au lieu de le jouer là, on va le jouer là. Donc. Et ensuite, on vient sur la deuxième case, entre guillemets, c'est-à-dire la cinquième en réalité. Enfin, cinquième, plus deux au capot. Et puis, pareil, on redescend. Donc, ça fait. Donc, pareil, une note, deux notes, trois notes. 4 notes, on change de. Et on change. Et on alterne toujours avec la plus aiguë. Et pareil, on redescend dans la gamme au niveau de la corde de si. On remonte et on redescend d'une note seulement après, au lieu de remonter et de redescendre de deux. Ensuite, le compas, c'est le compas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après le compas, pareil, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même pas mal. Celui-là, il est pas mal pour cette musique-là. Donc, à savoir, ça c'est le deuxième temps. Troisième, quatrième temps. Donc, ça fait premier temps, il est ici. Deuxième temps, il est là. Troisième temps, on reste sur la même note. Quatrième temps. Et on change. Voilà.
Je me force à compter en temps parce que je ne sais pas exactement en réalité. Ça veut dire qu'il y a 8 mouvements pour 2 temps. C'est ça, je crois. Ça veut dire, oui, ça veut dire qu'il y a 16 mouvements par mesure. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et à chaque temps, eh bien, on marque le temps avec le golpe. Avec un golpe. Donc 1, 2, 4. Voilà. Enfin, voilà. Ça, par contre, moi, je l'explique, mais je le compte pas et j'y fais pas attention en jouant. C'est pour la vidéo, je l'explique pour la vidéo, mais en fait, je le compte pas. Moi, je sais pas si j'étais très clair sur tout. Voilà. Après, il y a des choses. Moi, je joue, je change entre l'index et le Pourquoi? Parce que, en fait, on joue toujours la même à l'aigu. Donc ça sert à rien de changer index majeur à mon avis. Mais la plupart des gens jouent quand même index majeur. Mais moi je trouve ça beaucoup plus simple. C'est pas comme une gamme parce qu'on revient tout le temps sur la note la plus aiguë. Donc comme on revient tout le temps sur la note la plus aiguë, ben, je joue toujours avec l'index. Et ça me permet de jouer avec le pouce ben, les autres notes. Mais par contre, je crois que la plupart des gens, pour ne pas dire tout le monde, le jouent index majeur. Mais bon, pouce index, ça va très vite aussi, hein, si on veut le faire. C'est pareil, ça va très très vite aussi. Et d'ailleurs, il y a des gens qui jouent comme ça, pouce index très très vite. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom. Voilà, il y a le nom d'une technique avec ça, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Bah pas plus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Au revoir.